Bonjour à tous, amis de la miséricorde. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 20 mars et exceptionnellement, c'est aujourd'hui que nous fêtons la fête de Saint Joseph. Ce fils de David qui a été choisi par le Père éternel pour veiller sur ses plus grands trésors. Et c'est un modèle admirable et nous sommes appelés à aller vers lui pour découvrir le secret de la disponibilité qui fait sa force et sa grandeur. Et nous allons nous confier tout particulièrement à lui. Nous, nos familles, nos enfants, nos petits-enfants, toutes nos intentions. Je vous ai mis le diaporama pour aller voir Saint Joseph, pour entendre un peu plus parler de Saint Joseph aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes dans la quatrième semaine de carême, nous sommes le 27e jour de carême. Alors, une petite prière pour ce jour. Ô mon âme, quand tu demandes à Dieu avec une grande confiance, pardonne-nous nos offenses, c'est à une condition. Tu dois aussi pardonner à ceux qui t'ont offensé. Si tu ne pardonnes pas aux autres, ne pense pas que Dieu va pardonner tes péchés. Ne nous trompons pas, Dieu ne trompe personne. Le carême est un temps réservé à Dieu. Il faut prier Dieu pour que tes difficultés ne te recouvrent pas totalement. En effet, même une personne juste fait des péchés. C'est pourquoi Dieu t'apprend à dire dans la prière: pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et c'est le seul remède qui nous permet de vivre. Alors nous prions Saint Joseph d'exaucer nos intentions de prière. Aujourd'hui, on fête une bonne fête à tous les Josephs que nous connaissons. Et on prie particulièrement Saint Joseph pour nos familles, pour les soucis quotidiens, pour nos difficultés de tous les jours. Voilà. On prie le Seigneur pour tous les amis de la miséricorde que nous avons. Nous prions aussi pour le repos des âmes de ceux qui sont morts récemment et pour qui nous avions prié, et pour tous les autres défunts. Nous prions pour la paix, que la paix de Jésus s'installe partout où elle est menacée. Nous prions pour la conversion de tous les pécheurs, la guérison de tous les malades, pour les innocentes victimes des guerres, des conflits incessants. Nous prions pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans nos vies et qu'il continue inlassablement de faire. Nous prions pour les bébés avortés et leurs parents, pour tous les jeunes étudiants. Nous prions pour être fidèles à la parole de Dieu, à notre baptême aussi. Nous prions pour ceux qui sont persécutés à cause de leur foi. Nous prions pour le pape François et tous les prêtres. Et nous prions pour notre pays, la France. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous
et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous
et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Ô sang et eau, qui avez jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et eau, qui avez jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et eau, qui avez jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Amen. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière de consécration à Saint Joseph de Monseigneur Dominique Ray de Toulon. Alors, elle est très 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 longue, je vais en faire qu'une partie, je vous laisserai la découvrir à votre moment que vous aurez choisi, mais on va commencer. Saint Joseph, toi le chaste époux de la Vierge Marie, aide les couples à retrouver la ferveur de leur premier amour et la grâce du sacrement qu'ils se sont donné mutuellement. Saint Joseph, toi le père adoptif de Jésus à Bethléem, apprends-nous à défendre la vie humaine dès sa conception. Nous te confions tous ces êtres qui ont été assassinés dans le sein de leur mère, la détresse des mamans, l'inconscience tragique de ceux qui ont pratiqué l'avortement. Saint Joseph, patron de la bonne mort, dispose-nous à rencontrer paisiblement le Seigneur au jour où il nous appellera à quitter cette terre. Libère notre société de la tentation mortifère de pratiquer et de promouvoir l'euthanasie et le suicide. Saint Joseph, au temps de l'épreuve, nous nous rappelons que tu as retrouvé l'enfant Jésus après l'avoir cherché avec angoisse. À l'heure du doute et au milieu des découragements, viens à notre secours afin de trouver le Christ et à le chercher sans cesse. Ainsi soit-il. Nous sommes dans la semaine de l'Annonciation, le 25 mars, alors on va commencer à prier le rosaire de l'Annonciation et aujourd'hui, lundi, ce sont les mystères joyeux qui vous sont proposés. Bonne découverte, bonne prière et restons bien unis avec Jésus, Marie et Joseph. Que Jésus, Marie et Joseph nous bénissent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et on se retrouve demain à l'heure de la miséricorde, si Dieu le veut. À demain !